C'est très calme derrière moi au niveau de la zone d'embarquement ici à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et pour cause, hein, depuis plusieurs mois, le nombre de vols à destination des pays hors de l'Union européenne et de tous les vols en général a drastiquement diminué. En moyenne, 4 à 5 vols hors Union européenne par jour en ce moment, principalement à destination de la Turquie et du Maghreb. Alors pour voyager, vous le savez, depuis dimanche, il vous faut un motif impérieux, motif familial, motif professionnel ou encore motif de santé. Il y a des dérogations, mais dans tous les cas, les décisions sont prises au cas par cas et les contrôles sont très stricts. Écoutez certains voyageurs qui ont dû partir à l'étranger malgré cette interdiction. J'y vais parce que ma mère, elle est super malade, justement. On m'a envoyé son certificat médical et tout. Du coup, même si peut-être je vais avoir des questionnements au niveau de la douane, j'aurai des justificatifs. Je rentre chez moi à Tanger. Ça fait une année que je ne suis pas rentré et j'espérais, mais pour l'instant, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui se font refouler et j'espère que je ne vais pas me faire refouler. Pour l'instant, pas de restrictions pour les vols à destination de l'Union européenne, mais dans tous les cas, il faudra fournir un test PCR négatif à l'embarquement et au retour en France. Enfin, si vous êtes parti à l'étranger avant le 31 janvier, vous ne serez pas bloqué à l'étranger puisque si vous êtes français, si vous avez la nationalité française et que vous résidez en France, vous pourrez rentrer chez vous.